sagst, ich gemacht oder wie? Wer freut sich hier heute Morgen zu sein? Wenn du dich freust, dann schrei laut: Halleluja, ich bin froh hier zu sein. Erhebe deine Hände und schrei: Halleluja, ich bin froh hier zu sein. Preist den Herrn. Ich bin auch sehr froh hier zu sein, weil wir heute ein sehr besonderes Thema starten werden. Und dieses Thema kann man nur gut starten, wenn man einen guten Lobpreismoment verbracht hat. Amen. Deswegen möchte ich dir einladen, diese Zeit der Anbetung zu nehmen, um dich vorzubereiten. Um dein Herz und deine Ohren vorzubereiten, damit der Herr in dir legt, was er für dich heute für vorbereitet hat. Amen. So, lass uns den Herrn preisen, denn er ist gut. Wir warten auf die Bima-Team. Blank. Die Liebe des Herrn trägt uns. Die Liebe des Herrn erhebt uns. Halleluja. Deine Liebe trägt mich. Deine Liebe trägt mich, festigt und erhebt mich, die ist wie ein Fels, auf dem mich sicher steht. Deine Liebe stärkt mich, sie ist sanft und zärtlich, ich kann es umfassen, sie wird nie vergehen. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Du begeisterst mich, deine Liebe trägt mich nochmal. Deine Liebe trägt mich, festigt und erhebt mich. Sie ist wie ein Fels, auf dem ich sicher steht. Deine Liebe stärkt mich, sie ist sanft und zärtlich. Ich kann es kaum fassen, sie werden nicht. Oh, Halleluja! Yeah, Halleluja! Halleluja! Du begeisterst mich, Halleluja! 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 Du begeisterst mich, deine Liebe! Deine Liebe! Oh! Oh, hallelujah, hallelujah, yeah. Du begeisterst mich, Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 du begeisterst mich, hallelujah, 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 du begeisterst mich. Alleluia, 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 alleluia. Du begeisterst mich. Lass uns den Herrn Applaus geben, denn er ist toll. Du bist der Vater des Lichts, Herr.
und du hältst an dein Wort, Herr. Du veränderst dich nicht, Herr. Du bist dasselbe, Herr. Und du bist groß. Vater des Lichts. Vater des Lichts, du freust dich an deine Kinder. Vater des Lichts, Vater des Lichts, du freust dich an deine Kinder. Alles was gut, oh, alles was gut und vollkommen ist, kommt von dir. Alles was gut und vollkommen ist, kommt von dir. Alles, alles, alles was gut und vollkommen ist, kommt von dir. Alles was gut, vollkommen ist, kommt von dir. Vater des Lichts. Ich sehe keine Hände klatschen, der Herr ist da. Applaus für den Herrn. Oh, du bist hier, du bist hier, du bist unser Licht. Vater des Lichts. Oh, eh. Vater des Licht, Vater des Licht, du änderst dich nicht, du änderst dich nicht, du bist immer derselbe. Vater des Licht, du änderst dich nicht, Vater. Änderst dich nicht, du bist immer derselbe, 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 derselbe. Oh, alles was gut und vollkommen ist, kommt von dir. Alles was gut und vollkommen ist, kommt von dir. Wenn du glaubst, klatscht die Hände. Alles was gut und vollkommen ist, kommt von dir. Alles, 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 alles was gut und vollkommen ist, kommt von dir. Alles was gut, hey, und vollkommen ist, kommt von dir. Alles was gut. Alles was gut, eh, eh, unvollkommen, eh, 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 vom, eh, 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 alles was gut, alles, eh, 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 oh, vollkommen, von dir, eh, oh, unvollkommen ist, komm von dir, Liebe, Liebe, alles was gut, yeah. Und vollkommen ist, kommt von dir. Alles was gut und vollkommen ist, kommt von dir. Vater des Lichts. Alles was gut kommt von dir. Oh. Vater, alles was gut kommt von dir. Applaus für den Herrn ist treu. Alles was gut kommt von dir, Liebe, treu, Herr. Wenn du weißt, wer du bist, lass mich ein lautes Schrei hören. Erhebe deine Stimme und schrei Halleluja zu dem Herrn, denn er ist gut zu dir. Halleluja. Amen. Oh, oh. We are.
We are her chosen generation. Come for to show, he said. Oh, all I require. God has given me. I know. One more time, we are her chosen generation. Yeah. God but to show his excellency. Oh, all I require. God has given. I know. God. Hey. What he says I do. Where he says I'm at. I know. What he says I am. Where he says I'm at. I know I'm walking in power. Hey. I'm walking in miracles. I live a life of favor. Cause I know I'm walking in power. Yeah. I'm walking in miracles. I live a life of favor. One more time, we are a chosen generation. We are the chosen generation. Call. Yeah, all I require. All I require for hey, God has given me. I know. We are a chosen generation. We are the chosen generation. Yeah. God for to show his excellence. All I require for life. God has given me. I know. God says I am. Why he says I am. Where he says I'm at. I know. God says I am. Why he says I am. Where he says I'm at. I know. I'm walking in power. I'm walking in miracles, I live a life of favor. Cause I know I'm walking in power. I'm walking in power. I live a life of favor. Cause I know. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Can you see his glory? Cause I take a look. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. See his glory, cause I know. Whoa, oh, 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 I know. Whoa, oh, 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 I live a life of favor. Cause I know I'm walking in power. I'm walking in miracles. I live a life of favor. Cause I know. Oh, 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 oh. Der Herr wird einen Schimon preisen, Herr, denn er ist treu, der Herr ist gut. O Herr, wir danken dir, Herr, denn du bist treu und du bist gut zu uns, Herr. Keiner ist wie du. Fühle dich frei in seiner Gegenwart. Erhebe deine Stimme, preis ihm an, denn er ist da für dich. Die Bibel sagt, er thront in der Anbetung seines Volkes und heute und jetzt thront er in deinem Lobpreis. Und er will deinen Lobpreis ehren durch seine Gegenwart, durch seinen Heiligen Geist. Er will dich reich beschenken. Wir danken dir, Herr, dafür, dass du uns so lieb, Herr. Du schenk uns deinen Geist. Danke, Herr. Danke für alles. Herr.
See the light through the dark.
worship you now. See the light, see the light tearing through the darkness. Hear the roar of the rugged cross. Jesus Christ, you alone are saviors. We worship you now. No wonder, no wonder we call you Savior. No wonder we sing your praise. Jesus, our hope forever. You made the way. You made the way. No wonder we call you Savior. No wonder we sing your praise. Jesus, our hope forever. You made the way. You made the way. Hallelujah. O Herr, du bahnst einen Weg für uns, Herr. Du bereitest einen Weg für uns, Herr. Ja, keiner ist wie du, Herr. Keiner ist so gut wie du. Und dir gebührt unser Halleluja. My hallelujah belongs to my hallelujah belongs to my hallelujah. My hallelujah belongs to my hallelujah. Oh, my hallelujah. My hallelujah. Oh, 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 yeah, my hallelujah. My hallelujah. Yeah. Oh, you deserve it. You deserve it. Hallelujah. Oh, you deserve it. Oh, you deserve it.
the glory, all of the glory belong to you. Oh, all of the glory. Of the glory, Lord, all of the glory belongs to you. You deserve it. You deserve it. You deserve it, Lord. You deserve it, Lord. Yeah. You deserve it. Oh, you deserve it. Applaudis pour le Seigneur. Kann man ein fettes Applaus den Herrn geben? Ja, Herr, unsere Anbetung gehört dir, Herr. Dir gebührt unser Lob, denn du bist treu, du bist gut zu uns. Sei gepriesen in Jesus' Namen. Amen. Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Oh, ihr Lieben, ich freue mich so sehr, euch sehen zu dürfen heute Morgen. Oh, my beloved, I'm so happy to see you this morning. Wer freut sich, mich zu sehen? Ich. Oh, preis den Herrn. Ich bin so wertgeschätzt. Es ist ein Privileg. Und ich bin der Herr dafür dankbar. I am happy. Und ich freue mich genauso, euch heute Morgen zu sehen. I give praise to the Lord because I'm happy to see you this morning. Ja, und... Ja, genau. Der Bruder hat etwas Wichtiges gesagt und ich denke, es ist eine gute Idee. Ich werde auf Französisch predigen und die Schwester wird auf Deutsch übersetzen. Pastor, Englisch? Okay, dann die Schwester. Ah, okay, das hast du übersetzt für die Mutter. Den Pastor, ich muss auch für den Pastor. Das heißt, ich predige auf Französisch. Also, wir sind gerade am Besprechen bezüglich, mit welcher Sprache gepredigt werden soll, weil wir eine mehrsprachige Gemeinde sind. So, I'm going to preach in French today because we are a church of many different languages background. Ja, und wir haben Besuch von Afrika bekommen. And we have invitees from Africa with us. Nämlich meine Schwiegermutter. I speak about my mother-in-law. Und sie spricht leider weder Deutsch noch Englisch. But how can I say it? She can't speak French nor Dutch. English nor Dutch. So no, German, yes. Okay. Speak in French for her. Genau, und die Schwester, die Schwester Lena wird in Englisch übersetzen. Then I will translate in English. Genau. Passt so? Is that okay with us? Yeah. Seid ihr dabei? Yeah. Okay. Yeah. Wer ist bereit, Französisch heute zu lernen? Ja, klar, kein Problem.
Mach dir keine Sorge, Bruder. Wir kümmern uns drum. Es wird nicht zwei Personen auf einmal Französisch sprechen. We're going to speak together at the same time in French. Genau. So. Ja, wie die Schwester Sabine. Ach, nee. French. Tut mir leid, es ist eine Gewohnheitssache. Okay. Ich brauche ein bisschen Zeit, um mich umzustellen, weil ich muss jetzt Französisch sprechen. Oui, donc comme la sœur Sabine l'a annoncé tout à l'heure, nous sommes pendant tout le mois de février dans une série de prédications dont le thème c'est « Comment gérer mes études et ma foi ». Ou encore, comment gérer ma foi pendant mes études. Et si nous avons tenu à parler de ce thème, c'est parce que nous avons constaté que beaucoup d'enfants de Dieu étudiants pendant leurs études traversent des difficultés qui les empêchent de rester connectés à Dieu. Ils traversent des systèmes, ils traversent des épreuves qui les empêchent de conserver une foi ferme. La sœur Sabine a dit tout à l'heure qu'ils sont parfois, donc une des raisons qu'elle a émises, c'est qu'ils sont parfois occupés, qui n'ont plus de temps pour se concentrer sur l'œuvre de Dieu. D'où la question, comment gérer sa foi pendant ses études? Comment rester connecté à Dieu? Comment conserver sa saveur spirituelle tout en faisant des longues études? Amen. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais scinder ce sujet ou encore ce thème en trois parties. So I'm going to divide this theme in three parts. Et ces trois parties vont être prêchées tout le long du mois de février. And this three parts have been preached upon throughout the month of February. Pour la première partie, je vais la présenter comme étant l'école, un instrument dans la main de Dieu pour bâtir la foi de ses enfants. La deuxième partie, ce sera donc les stratégies, ce sera consistera à dénoncer les stratégies du diable contre les étudiants chrétiens. And the second part of it speaks about to expose the strategies of the devil towards Christian students. Et je vais aussi donner des solutions bibliques contre ces stratégies sataniques. And I also give a biblical solution towards these satanic strategies. Et le troisième point ou encore la troisième prédication portera sur les conseils pratiques, comment faire pour réussir dans son école sans beaucoup d'efforts. Et aussi, ce sera une science de prière et de résumé de ce qu'on aura vu avant. And the third part of it speaks about advices or the tips that I will give in order to, biblical tips that I will give in order to, for us to move on with our faith. Amen. Seid ihr dabei? Are we all together? Cool, freue mich. Also, ich werde beten. Ja, lieber Vater, ich danke dir für diesen Morgen, für das Privileg, in deinem Namen zu sprechen. Herr, ich bete heute Morgen um ein Instrument in deine Hand und in deine Hände, um Leben zu kommunizieren, wo Tod gab, um Hoffnung zu wecken, wo Tod war. Vielleicht ist jemand heute Morgen gekommen und ist schon von dir getrennt, wegen seinem Studium oder wegen ein bestimmtes Grund, die ich nicht unbedingt kenne. Aber ich bete, dass ein Wort, das aus deinem Mund kommen wird, heute Morgen Heilung zu dieser Person schenkt, in Jesus Namen. Ich gebe dir alle Ehre, denn ich bin nur ein Instrument und derjenige, der spricht, bist du. Deswegen bitte ich, damit du meinen Leib runtersetzt und dass dein Geist die Kontrolle nimmt. Denn von mir selbst aus kann ich nichts tun. Because by myself I can't do anything. Aber du kannst alles.
But you can do everything. Und ich bin dir dafür dankbar, dass ich heute das Privileg habe, dein Instrument zu sein. Führe mich und inspiriere mich während des Predigts. In Jesus' Namen. La question que certains de vous se sont certainement posée lorsqu'ils ont entendu parler de ce séminaire, c'était celle de savoir que est-ce que la Bible parle effectivement même d'école? Où est-ce que l'école est écrite dans la Bible, certainement, se sont demandé certains. Où est-ce qu'il est écrit dans la Bible que la maternelle existe? Dans quel verset biblique parle-t-on de l'université? Dans quel verset biblique, dans quel passage biblique parle-t-on du lycée? Dans quel passage de la Bible parle-t-on des docteurs, des enseignants ou des professeurs? Et la réponse à cette question est très simple. Il se pose certainement, vous vous êtes certainement posé la question de savoir où dans la Bible parle-t-on de mathématiques? Et la réponse à cette question est simple. Vous vous êtes certainement posé la question de savoir d'où est-ce que la Bible parle de physique ou de chimie ou de sciences naturelles. Et j'en passe. Et la réponse à cette question est simple. Et la réponse c'est oui. La Bible parle de tout cela. Pourquoi? Parce que lorsque l'on considère la civilisation égyptienne, on se rend compte que les Égyptiens, ce sont des gens qui bâtissaient des pyramides. Because when we think and we consider about the civilization of the Egyptians, we realize that there were people who used to build up pyramids. Et la pyramide, c'est une technologie que pour bâtir une pyramide, il faut une technologie que jusqu'aujourd'hui on n'a pas parfaitement maîtrisée. Parce que c'est quelque chose de complexe, c'est quelque chose d'ultra mathématique. C'est la raison pour laquelle on peut dire que les Égyptiens étaient des grands mathématiciens et des grands physiciens. Et c'est la raison pour laquelle on peut dire que les Égyptiens avaient des universités en mathématiques. Ils avaient des collèges en physique. They used to have colleges in mathematics. Ils avaient des professeurs et des docteurs en informatique. And they used to have doctors and in informatique. Informatique? Yes. Yeah. Et ils avaient même des professeurs en géographie. And they even have professors in geography. Parce qu'il fallait savoir la position idéale pour que la pyramide soit stable. Because they needed to know the ideal position so that the pyramid could be stable. Quand on lit la Bible, on va se rendre compte qu'il y avait un peuple appelé Babylone. Les Babyloniens, dans le temps, avaient bâti une tour qui s'élevait jusqu'au ciel. When we read the Bible, we come across the fact that the Babylonians at that time built up a tower which reached the heaven. Et cette tour de Babel était l'image de ce qu'on appelle aujourd'hui les gratte-ciel, les rock houses. And this image of Babel is what we call today as story buildings. Et les rock houses, les gratte-ciels, ce sont les choses pour lesquelles il faut une technologie avancée. C'est ce qui nous permet de dire que les Babyloniennes étaient des grands mathématiciens. C'est ce qui nous permet de dire que les Babyloniens étaient des grands physiciens. C'est ce qui nous permet de dire que les Babyloniens étaient des grands savants. Ils allaient à l'université pour apprendre comment faire ces choses. Parce que c'est de la même façon que nous aujourd'hui, nous apprenons comment faire les gratte-ciel en partant à l'université. Depuis que j'existe, depuis que je suis né, on ne m'a jamais dit que quelqu'un s'est levé sans fréquenter et a bâti un gratte-ciel sans connaître comment est-ce que la mathématique, sans connaître la mathématique ou la physique. Since I've been giving birth to, no one has once told me that he has been able to build up a story building without knowing mathematics. Donc pour faire toutes ces choses, il devait fréquenter. In order for them to be able to do all those things, they need to study. Dans la Bible, dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 4, à partir du verset 11, l'apôtre Paul
parle de l'Esprit qui donne des dons et il dit, il fait de certains des docteurs, de certains des enseignants, de certains des professeurs et ainsi de suite. And in the book of Ephesians chapter 4 verse 11, we speak about the Holy Spirit which gives different gifts to people. To one, to some he gives the gifts of doctors, to others the gifts of physicians and more others. Et lui-même, il dit qu'il était un étudiant au pied de Gamaliel. And he himself, he said he was a student at the feet of Gamaliel. Gamaliel, c'était un grand docteur de la loi du temps. He was a great doctor at that time. Et c'est le fils d'un certain Iliel. And he's the son of a certain Iliel. Qui était lui aussi à son tour le fondateur d'une grande, on appelle ça, de, quelque chose comme un collège dans le temps, un collège de pharisiens dans le temps. And he was also of a great college at that time, of Pharisees. Donc ça veut dire que lorsque tu étais étudiant sous Gamaliel, c'est comme si tu avais fait des études à l'université catholique. And at that time, it means that when you used to be a student under the feet of Gamaliel, it means that you have done studies in, at, for example, at the university, Catholic University. Amen. Donc ça veut dire que au vu de toutes ces choses, on peut comprendre que la Bible parle exactement d'école, d'études, d'université et de tout, je, et tout ce que j'ai cité. And through all these examples, one can say that the Bible really speaks about studies, universities and colleges. Maintenant, la question qui se pose, c'est que quel est le rapport de l'école avec la foi? And now the question which has been asked is that what is the relationship between faith and studies? Parce que le thème de notre message, c'est comment gérer sa foi pendant ses études. Because the theme of our message this morning is how to manage your faith during your studies. Et la réponse peut paraître complexe, mais elle est simple. The question can seem to be complex, but it is very simple. Ce qui est bon de comprendre, c'est que l'école a un rapport étroit avec le temps. What is good to understand is that the school has a relationship, a straight relationship. L'école a un rapport étroit avec le temps. Pourquoi? Parce que pour fréquenter et finir ses études, il faut du temps. Why? Because in order for you to study and to be able to complete your studies, you need time. Et plus le temps passe, plus on grandit. And more the time goes by, more we grow up. Or, le temps à son tour a une relation étroite avec la foi. And time at its own self has also a relationship with faith. Pourquoi? Parce que la foi consiste à vivre dans l'attente, dans l'assurance des choses qu'on espère. Because faith is the matter, it consists of us living in faith and living in what we hope for. La foi consiste de vivre dans l'assurance, dans l'attente des choses qu'on espère. Faith consists in us to live in assurance in the waiting of the things we hope. C'est pourquoi quand la Bible parle d'Abraham, la Bible dit que Abraham a vécu dans l'attente, dans la patience des promesses que Dieu lui avait fait jusqu'à mourir dans la foi. The Bible spoke about Abraham. The Bible makes us to know that Abraham lived in faith to the promises which God has planned for him. Il a attendu avec assurance les promesses que Dieu l'avait fait. He waited with assurance the promises God has done unto him. Un an est passé. One year went by. Il n'a pas vu la multitude d'enfants que Dieu avait promis. He didn't see the multitude of children God had promised him. Mais il attendait. But he was waiting. Il était patient. He has been patient. 2 ans sont passés. 2 years passed. Il ne voit pas. He saw nothing. 3 ans passent. Il voit seulement Isaac. Un enfant. Pourtant, Dieu avait dit que tes enfants seront nombreux plus que les étoiles du soleil, les étoiles du ciel. Mais il attend. 3 ans, 4 ans. Il ne voit pas. Il attend. 5 ans. Il ne voit pas. Il attend. Il meurt. Sans voir. Mais la Bible dit qu'il n'a pas douté. Il a été patient. C'est pourquoi la Bible l'a baptisé le père de la foi. That is why the Bible had baptized him the father of faith. Bien aimé, le temps a un rapport étroit avec la foi. My beloved, time has a relationship with faith. Et d'autre part, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on a. And on the other side, the Bible says faith comes from what we listen to. Ça veut dire que celui qui écoute, ça veut dire que celui qui se laisse enseigner, ça veut dire que celui qui fréquente va agrandir sa foi. That means that he that listens to, he that allow his faith to, he that listens to, we allow his faith to grow. Ainsi, bien aimé, l'aboutissement de bonnes études, c'est quelque chose de favorable à Dieu et à son royaume. So that my, therefore, my beloved, in order for your studies, the completion of good studies is also a good thing for the Lord. Parce que celui qui finit ses études et qui finit bien ses études a une grande et une bonne foi, et cela est agréable à Dieu. Because he that finishes his
studies has a good and agreeable faith towards in God. Mais celui qui a une bonne foi n'est pas agréable au diable. Pourquoi? Parce qu'il détruit les œuvres du diable. He that has a good faith in God is not pleasable to the devil because he destroys the enemy's works. C'est pourquoi le diable ne veut pas que tu fréquentes. That is why the devil doesn't want you to study. Et c'est pourquoi nous croyons que le diable a établi des systèmes pour détruire la vie des enfants de Dieu. And that is why we believe that the devil has established systems so to be able to destroy the light of truth. Parce qu'il sait que Dieu peut utiliser leur école pour agrandir leur foi. Because he knows that God can use that study to build up their faith. Mais c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de parler de ce thème. That is why we decided to speak about this. Mais ce que je veux dire avant de commencer, c'est que parce que tu es venu aujourd'hui pour écouter ce séminaire, tous les plans de Satan contre ton école seront nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. So what I want to say before we start is that what, because you came here this morning to listen to this message, whatever the enemy has planned against you is without push, is will not prosper in Jesus' name. Amen. Donc, comme j'ai dit, nous allons aborder ce thème en trois parties. Et aujourd'hui, je ne vais que parler de l'école, un instrument dans les mains de Dieu pour bâtir la foi de ses enfants. Nous allons lire pour cela dans Josué chapitre 1, verset 8. Ce sera mon thème de base. Josué chapitre 1, verset 8. The book of Joshua, chapter 5, verse 8. Oh. Verset 8. Hein? Ok. Et je lis une parole, je lis dans le livre de paroles de vie. I'm reading in the book of the word of life. Ce n'est pas. Je préfère lire dans ta. Tiens, c'est en français, non? Oui. Ok. Par contre, devinez pas trop. Ok. Josué chapitre 1, verset 8. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. Mais. Let this book of faith not go away from your mouth. Médite-le jour et nuit. Dites avec moi jour et nuit. Meditate upon it day and night. Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Therefore, you shall have success in your enterprises. C'est alors que tu réussiras. Therefore, you shall succeed. Ne te l'ai-je pas donné l'ordre? Didn't have I ordered you? Fortifie-toi et prends courage. Be fortified and take ne t'effraie point. Don't be afraid. Ne t'épouvante point. Don't be, shaken. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Because the Lord your God is with you. Dans tout ce que tu entreprendras. In everything you j'aimerais que quelqu'un qui a, cherche encore le verset de Genèse chapitre 13 et verset 17 à 22 et qui le lise. And let this person read it, please. Chapitre 13, mm-hmm. Verset 17 à 22. Chapitre 13, verset 17 à 18. Bon, lis à partir du verset 17. Genèse chapitre 13, verset 17. Lève-toi, parcours le pays dans son longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près des bois. Non, c'est 13 là-bas. C'est que j'ai fait une erreur. Oh. Oh. God. Ok. Also, si ce n'est pas la bonne référence que j'ai écrit, désolé. Sorry, it's not a good reference what I've written down. Ok. Donc, c'est plutôt dans le livre de Genèse, chapitre. Mm-hmm. Oui, bon, ça va, ce n'est pas grave. Je vais lire ça moi-même. I'm going to read it myself. Ok. Donc, voilà, la Bible dit que Dieu demande à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Bien-aimé, en lisant ce verset, j'ai compris que le succès ne dépend pas des relations. Then my
Le succès ne dépend pas de la vitamine B. Le succès ne dépend pas de mon père et ceci ou cela. Mais le succès dépend de la parole de Dieu. Le Seigneur dit à Josué, médite cette parole afin de réussir dans toutes tes entreprises. Ça veut dire qu'il y a l'école dedans. It means that there's studies in. Il y a le mariage dedans. There's marriage in. Il y a les voitures dedans. There are cars in. Il y a les comment? Les quoi? Les bâtiments. Buildings in. Et il y a tout ce que vous pouvez vous imaginer. There's everything you can think. Dans of. Quoi? Dans la parole de Dieu. In what? In the word of God. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est que il est important de comprendre, de connaître le contexte dans lequel Dieu a donné cette parole à Josué. Dieu a donné cette parole à Josué après qu'il ait fait sortir le peuple israélite de l'esclavage en Égypte jusqu'à la terre promise à Canaan. The Lord gave this word to Joshua after he took out the Israelites from Egypt into the promised land. Et ce phénomène, c'est-à-dire cette sortie, ce contexte décrit effectivement le parcours d'un étudiant chrétien de la maternelle jusqu'à la terminale. And this context, this picture decreed exactly the path of a child from nursery school to university. Donc avec cette histoire de la sortie du peuple d'Israélite d'Égypte jusqu'à la terre promise en passant par le désert, with this story of the Israelite going through coming out of Egypt and going through the desert. Je vais vous montrer step by step que c'est exactement la description du parcours d'un étudiant qui a commencé avec la maternelle, passant par le lycée jusqu'à l'université. I will show you pas à pas the way of a child who comes out from nursery school to university. Et je vais aussi vous présenter comment Dieu utilise ces moyens ou encore utilise quelle méthode Dieu utilise pendant ce parcours pour bâtir la foi d'un chrétien. And I will also demonstrate to you what God uses throughout this path to build up a Christian faith. Bien-aimés, lorsque les Hébreux sont arrivés en Égypte au temps de Joseph, ils vivaient en sécurité. My beloved, when the Israelites came into Egypt in the time of Joseph, they were living in security. Et la Bible dit que Joseph les avait placés dans une ville appelée Goshen. And the Bible says Joseph had placed them in a land in a town called Joseph. Et Goshen signifie en hébreu terre du soleil, terre de la force, terre de force. And this land, the name of this land means the land of the sun and the land of power. Ça veut dire que les Israélites se trouvaient dans un enclos, ils étaient protégés, ils étaient dans un cocon et rien ne pouvait leur arriver. Ils ne se donnaient pas beaucoup d'efforts parce que leurs frères étaient en haut, ils avaient la vitamine B. They were not overstressing themselves because their brothers were high and they were having vitamin B. S'ils ont faim, ce que Joseph apporte la nourriture. If they were hungry, Joseph would bring them food. S'ils ont soif, on apporte de l'eau. If they were thirsty, they would receive water. Ce sont les frères du Tzaphnath-Panéa. They are the brothers of Tzaphnath-Panéa. Ja, ich weiß nicht, ob ihr den Namen Tzaphnath-Panéa kennt. Das ist der Name von Josef, als er die Vision des Pharaons interpretiert hat. Damals. I don't know if we all know about the name of Tzaphnath-Panéa. It is the name of Joseph after he was able to interpret the Pharaoh's. Les Israélites n'étaient pas soumis à beaucoup d'efforts. The Israelites were not really under stress. On n'attendait pas beaucoup d'eux. Nothing so much was awaited from them. Cette situation, c'était la maternelle. That situation was the nursery school. Et leur foi n'était pas mise à l'épreuve. And their faith had not been tested. Mais les vraies choses commencent lorsque Joseph meurt. But really start when Joseph gives life. Lorsque Joseph meurt, ils commencent à entrer dans une autre phase de leurs études. When Joseph dies, they start entering another phase of their studies. On ne leur demande plus seulement de colorer les lapins avec les feutres. On ne leur demande plus seulement de prendre les Lego et de mettre, de former la maison avec. On ne leur demande plus seulement de dormir, de se lever et de chanter. Mais les choses deviennent un peu plus compliquées. But things start really becoming hard for them. Le calcul mental commence. Mental calculations starts. On commence avec la chicotte que si tu ne dis pas la réponse de 1 plus 1, on te fouette. The teacher starts with whipping. If you don't say what 1 plus 1 means, you're going to be whipped.
on commence avec des calculs un peu plus compliqués pour développer quelque chose en eux. C'est exactement ce que les Hébreux ont traversé après la mort de Joseph. Et ça, c'était le lycée, l'école primaire. Alléluia. C'était une situation où les Hébreux étaient amenés à faire des choses qui les rendaient mal à l'aise. Et la Bible dit qu'ils commençaient à crier vers l'Éternel. And the Bible said they started shouting to the Lord. La Bible dit qu'ils commençaient à pleurer vers Dieu. The Bible said they started crying to God. Je ne veux pas aller à l'école. I don't want to go to school. Je ne veux pas fréquenter. I don't want to study. Zoé, c'est ça. That is how. Et la Bible dit que Dieu les a répondu. And the Bible says that God answered them. Sei aufmerksam, ich weiß, wo ich gehe. Okay? Ich bin nicht verloren. Okay? Hör mir gut zu. La Bible dit que Dieu les a répondu. Pourquoi? Parce que l'esclavage, la souffrance en Égypte n'était pas le moyen que Dieu voulait utiliser pour bâtir leur foi. L'esclavage en Égypte n'était pas le moyen que Dieu voulait utiliser pour bâtir la foi des Israélites. Mais la souffrance, l'esclavage en Égypte, c'était un moyen que Dieu voulait utiliser pour montrer sa puissance aux fils d'Israël et aux Égyptiens. C'est pourquoi il peut avoir des situations dans ta vie, dans ton école, où tu souffres et où tu penses que tu es éprouvé. Non, tu n'es pas encore éprouvé. Ce n'est qu'un moyen que Dieu va utiliser pour manifester ta puissance. La souffrance arrive au désert. That is why at times in your study you may come to a point where you say, ah, it is too much for me, I can no longer go forward with this. But you are not yet reached that point because your time is coming in the desert. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a répondu. Désolé. Ainsi, bien-aimés, sachez que les situations que vous traversez peuvent être des situations que Dieu utilise juste pour vous préparer pour ce qui arrive devant. My beloved, you all that the situation you go through now, it can be situation God just uses to prepare you for what awaits you ahead. C'est pourquoi ne t'empresse pas de te plaindre pour certaines situations. Quand tu échoues même ton école, ne t'empresse pas de te plaindre car ce n'est pas encore ça l'étape cruciale. That is why you should not always be in a hurry to complain, even when you fail in your studies, because that is not yet the step where God wants to take you. Alléluia. On est toujours ensemble, non? Are we still together? Et après cette étape, and after that step, vient le désert. Comes the desert. La Bible dit que Dieu les délivre. The Bible says God delivered them. Il est conduit par un chemin. Them towards a path. Et la Bible dit, c'est pourquoi je n'ai pas la référence, qu'il y avait le chemin qui passait par chez les Philistins. Et c'était le plus court des chemins. And it was the shortest way. C'était le plus. It was the shortest way. Dites avec moi, c'était le raccourci. It was the cut short. Mais Dieu a dit que non, on ne prend pas le raccourci. But the Lord said you will not take any cut short. Dieu a dit, on va passer par le désert. The Lord said you go through the desert. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Seid ihr dabei? Are you with me? Heb deine Hände und sag ich bin dabei. Le Seigneur a dit qu'on ne va pas passer par le court chemin. Mais on va passer par le désert. Bien aimé, certaines difficultés arrivent dans ton école parce que tu cherches des raccourcis. Certaines difficultés arrivent parce que tu veux passer par le court chemin. Je vais revenir là-dessus plus tard. Il y a quelque chose que je veux signaler, bien aimé. Je commence, ma prédication commence maintenant. Quand les Israélites sont sortis d'Égypte, quand ils devaient sortir d'Égypte, le Seigneur avait tellement scandalisé les Égyptiens au point où les Égyptiens ont dit que vraiment que tout ce que votre main a touché, prenez, vous partez avec. Et la Bible dit que les Hébreux ont pris ce que leur main avait touché. Ils ont pris les chars. They took chariots. Ils ont pris les marmites. They took pots. Ils ont pris le bétail. They took sheep. Ils ont pris les poulets. They took KFC. Ils ont pris les donneurs. And they took donors with them. Amen. Amen. Et ils se sont dirigés vers le. And they directed themselves towards
Et la Bible dit qu'ils sont arrivés à un endroit qui s'appelait la mer des gens ou encore la mer rouge. Et c'est à cet endroit que le Seigneur a ouvert la mer et ils ont traversé la mer à pied sec. Que quelqu'un dise avec moi la mer. Que quelqu'un dise avec moi l'eau. Et ils ont traversé l'eau. Alléluia. Et lorsqu'ils ont traversé l'eau, ils sont arrivés à l'autre, de l'autre côté du continent. Et la Bible dit que directement après 3 jours de marche seulement, ils ont commencé à murmurer. Je suis toujours dans le thème de mon message. La Bible dit après 3 jours de temps, ils ont murmuré. Les gens qu'on avait délivrés de l'Égypte, à qui on avait dit prenez tout ce que vous voulez, ils arrivent à 3 jours de marche, ils murmurent. Et la première raison de leur murmure d'après la Bible, c'est qu'ils avaient soif. And the first reason which caused their murmuring was that they were thirsty. Bien aimé, my beloved, la Bible dit que lorsqu'on les a demandé de sortir, on les a permis de prendre tout ce qu'ils voulaient. La Bible dit qu'on les avait passés par. Et quand ils arrivent après 3 jours de marche, ils ont. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris suffisamment. Bien aimé, les murmures qui arrivent dans ta vie scolaire, les échecs qui arrivent dans ta vie scolaire, c'est parce que tu as pris un mauvais départ, tu n'as pas pris suffisamment d'eau. Les plaintes que tu commences à avoir dans tes études, c'est à cause d'un problème et d'un problème unique qui est l'eau. Et l'eau, c'est la parole de Dieu. Si tu n'es pas suffisamment chargé d'eau, le désert des études va te brûler. Qu'est-ce que tu as pris en commençant tes études? Quand je regarde les étudiants, ils ont pris un sac à dos. Ils ont pris un laptop. Ils ont pris un Acer Sonic, laptop Sonic. Ils ont pris une calculatrice scientifique. Ils ont pris un book scientifique, un book électrotechnico. Ils ont pris des cahiers de 450 pages comme un livre, comme la Bible. Ils se sont encombrés avec les ossements de Joseph, comme on dit. Parce que la Bible dit que lorsque Moïse est parti, ils ont pris les ossements de Joseph. Mais ils ont laissé l'eau. L'eau est importante pour un début d'études excellent, mon frère. Tu ne peux pas résister aux rayons du soleil si tu n'as pas un parasol. Tu ne peux pas résister aux rayons du soleil si tu n'as pas une bonne goutte d'eau dans la main. Celui qui est attaqué par le soleil a besoin soit d'un bon bain frais ou d'un bon verre d'eau fraîche. Et les études, ce que tu n'as pas compris, c'est que les études, c'est un désert dont le seul bain, dont la seule eau pour se désaltérer, c'est la parole de Dieu. Si tu ne t'armes pas en partant fréquenter de la parole de Dieu, les rayons du soleil des études vont te brûler. Parce que le chemin des études, c'est un désert. Because the path of studies is a desert. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit encore que quelques moments plus tard, le peuple murmure encore. Il recommence à chimpher Dieu. They start cursing God. Et la Bible dit une chose. And the Bible says one thing. Dieu fait descendre la manne du ciel. God made manna to come down from heaven. Et la manne, c'est quoi? And what is manna? La manne, c'est le pain. It is bread.
Le Seigneur Jésus dit, je suis le pain vivant descendu du ciel. Tu ne peux pas être à l'abri des rayons du soleil, des études, si tu n'as pas le pain vivant descendu du ciel dans ta vie. You can't be on a good path with your studies if you don't have the bread from home. Bien aimé, ce ne sont pas les répétiteurs qui te protégeront de l'échec. It is not the home teacher that will protect you from Parce que moi-même, je suis la preuve vivante. J'ai eu un répétiteur, mais après, j'ai échoué. Bien-aimé, ce ne sont pas les bons qui vont te préserver de l'échec dans tes études. Ce qui va te protéger de l'échec dans tes études, c'est le pain. Et il y a un verset biblique, pardon, pas un verset biblique, il y a même un dicton qui dit que, au pays que les gens ont réussi parce qu'ils avaient l'eau. Ils avaient l'eau propre même en plus. Mais tandis que leur eau, c'est la tricherie, la nôtre, c'est la parole de Dieu et la révélation de ses promesses. Alléluia. La Bible dit que Dieu fit descendre le pain du ciel. Bien aimé, ce que j'ai compris, c'est que dans tout ce que Dieu a fait pour résoudre les problèmes scolaires des Hébreux dans le désert, se ramener à une et une solution unique. My beloved, what I've understood that God did is that in order for him to solve the problems of the Hebrews in the desert, it's one solution he used. C'est se ramener à sa parole. That coming back to his word. La Bible dit encore que lorsque les Israélites sont arrivés au pied du Sinaï, Moïse est monté sur la montagne du Sinaï pour rencontrer le Seigneur. Et les Israélites sont restés. Ils se sont impatientés parce que Moïse tardait à venir. Et quand ils ont fini de s'impatienter, ils se sont compromis. Ils se sont corrompus. Bien-aimés, ton problème dans tes études, c'est que tu es pressé de finir, tu es pressé de terminer. Tout à part, c'est fini à tout prix et rapidement. Bien-aimé, si tu es pressé de finir, tu cours le risque. Pressé de finir n'est pas mauvais. Mais si tu es pressé de finir sans te contrôler, tu cours le risque de te compromettre pour finir. My beloved, if you are in a hurry to finish without controlling yourself, then you're running a risk to fall apart. Le peuple était impatient d'attendre Moïse. The people were impatient while waiting on Moses. Et ils ont fini par faire un veau d'or. Et de la même façon, les enfants de Dieu aujourd'hui sont pressés de finir. Ils veulent courir pour finir. C'est pourquoi ils commencent à chercher les raccourcis. Certains enfants de Dieu, pas tout le monde. Ils trichent. Oui, ils trichent. D'autres se donnent, comme on dit. D'autres donnent de l'argent. Some give money. Ce sont des réalités qui, malheureusement, sont vraies. These are realities are true. Bien aimé, sois pressé de comprendre la leçon et tu finiras vite. My beloved, be in a hurry to understand the mission and you will Sois pressé de comprendre ton cours et tu finiras vite. In a hurry to understand your Le problème, c'est que tes yeux sont à la fin. Mais elles ne sont pas sur le coup présent. Pour que tu puisses vite finir, il faut que tu puisses vite comprendre le coup d'aujourd'hui. Parce que tu n'as pas demain dans ta main. Tu n'es pas Dieu. You are not God. C'est pourquoi tu n'as qu'aujourd'hui. That's why you only have today. Et fais aujourd'hui ce que aujourd'hui attend de toi. And do today what today awaits of you. Et fais-le vite et bien. And do it fast and good. Ne cherche pas à entrer dans demain aujourd'hui. Don't try to want to enter tomorrow today. Autrement, tu vas te compromettre. In otherwise, you compromise yourself. Tous ceux qui ont voulu vivre dans l'avenir, étant aujourd'hui, ont fini par se compromettre. All those who wanted to live in the future as
but leaving it today compromise themselves. Tous ceux qui ont voulu avoir des diplômes avant le temps, qui ont voulu, comme on dit, passer de la, du bac au doctorat, comme j'entends dire là, ont fini par payer, ont fini par se compromettre. Choco. All those who left from secondary school and they directly wanted to do their doctorate finished by compromising themselves. Oh, nous sommes d'accord, non? Yeah. Vous êtes avec moi, non? Bien aimé, l'empressement est un piège qui peut te pousser à la compromission. Alléluia. Donc, pour entretenir une foi ferme pendant tes études, use de patience. You have to use patience. Prends ton temps. Take your time. Concentre-toi. Be focused. Étudie. Study. Concentre-toi pour comprendre et à tout prix ce que tu as vu aujourd'hui. Et c'est comme ça que tu bâtiras un meilleur demain. Bien-aimé, le prochain point que j'ai écrit par rapport à ça dit, prends la direction que Dieu te demande et la colonne de feu et de nuée illuminera tes études. Je tiens tout d'abord à m'excuser parce que je ne sais pas, j'étais tellement concentré dans l'esprit que je n'ai pas écrit la bonne référence de ce verset. Exode. I was so focused in the spirit that I forgot to write. Danke. 2 Mose 13, Exode 13, verset 17 à 22. Nous allons lire ensemble. So we are going to read in the book of Exodus chapter 13, verse 17 to 22. Danke, Sabine. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple de Dieu, Dieu ne le conduisit point par le chemin des Philistins. Quoique le plus proche, dis avec moi, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire le peuple un détour par le chemin du désert. Vers la mer rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays. Moïse prit avec lui les os de Joseph. Et car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous fera remonter avec, avec vous mes os loin d'ici. Ils partirent à Soukout et ils campèrent à Etam, à l'extrémité du désert. Et voici la partie importante. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée. Dis avec moi, colonne de nuée. Et la nuit dans une colonne de feu. Dis avec moi, colonne de feu. Pour éclairer, dit éclairer, afin qu'ils marchent dans le marche jour comme nuit. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit que Dieu les a demandé de prendre une direction. La Bible dit que Dieu les a demandé de prendre la direction de la mer des gens, la mer rouge. Et la Bible dit que lorsqu'ils se sont mis à prendre cette direction, le Seigneur marchait devant eux dans une colonne de nuée le jour et dans une colonne de feu la nuit. Bien-aimé, écoutez-moi bien maintenant. Bien-aimé, tes études ne pourront pas avancer parce que aussi longtemps que tu marcheras dans la direction que Dieu ne t'a pas demandé de prendre. Tes études ne pourront pas avancer si tu ne marches pas sur le chemin que Dieu t'a demandé de prendre. Parce que sur le chemin que Dieu te demande de prendre se trouve la colonne de nuée et la colonne de feu. Et c'est cette colonne de feu et de nuée qui va te guider pendant tes études pour te faciliter la marche. Beaucoup de gens aujourd'hui ont raté leur vocation, comme on dit. Pourquoi? Parce que Dieu leur dit, va faire médecine. Ils disent que non, ça va durer 5 ans et je ne veux pas fréquenter 7 ans et je ne veux pas fréquenter longtemps.
them to go and do the studies of doctor, but they said he will stay for 7 years and they can't do it. Ils disent que je préfère faire flègue. Comme flègue, c'est facile et on finit vite, on trouve rapidement le travail. They said they prefer to be helpers. Helpers. Donc ils cherchent la facilité. So they're looking for easiness. Et c'est comme cela qu'arrivé devant, ils sont coincés. And that is how I'm reaching in front. Wow, j'ai mal au dos. Oh, I'm tired. My back is... Le travail là vraiment c'est la punition. Oh, that work is punishment. Dieu n'était pas avec toi au début. God was not with you at the beginning. Parce que ce n'est pas la direction que Dieu t'a demandé de prendre. Because that was not the direction God asked you to take. Bien aimé, si tu ne prends pas la direction que Dieu te demande de prendre, ton chemin sera obscur et tu vas te heurter dans tes études, te heurter et te re-heurter. My beloved, you don't take the path God asked you to take. You will come across blockages in your studies. Ne fréquente pas parce que tu regardes après les études le salaire. Don't study because you look at the study towards the salary you receive at the end of. Et je dis même que le but de tes études révèle la dimension de ton attachement à Dieu. I'm also saying that the purpose of your studies reveals the dimension of your attachment to God. Quand tu veux finir d'étudier parce que tu veux gagner de l'argent. Cela est la preuve que tu ne considères pas l'œuvre que Dieu veut accomplir au travers de toi. Parce que je suis sûr que l'œuvre que Dieu veut faire avec toi ne se rapporte pas toujours à l'argent. Dieu peut vouloir que tu travailles gratuit pour les obdaglos. Dieu peut vouloir que tu deviennes médecin dans un village au fin fond de Bafoussam. En Afrique. In a very extreme part of Africa. Alléluia. Alléluia. Le but de Dieu pour toi n'est pas toujours de te faire millionnaire. The purpose of God for you is not always for you to become a millionaire. Le but de Dieu pour toi n'est pas toujours de faire de toi un grand informaticien. It's not always to make you a great informatician. Si tout le monde était informaticien, qui devait alors nous soigner à l'hôpital? If everyone became an informatician, then who could have healed us in hospitals? Si tout le monde était cultivateur, qui devait alors s'occuper de la lumière à la sonnelle? If everyone was an agricultural man or woman, then who could have worked upon the light? Si tout le monde était professeur, qui alors devait être chauffeur de taxi, chauffeur de train pour qu'on puisse voyager? If everyone could be a professor, then who would have been a car driver or a bus driver? Il faut prendre la direction que Dieu t'a demandé de prendre. You have to take the direction God has asked you to take. Et voilà les choses qui coincent les chrétiens pendant leurs études. And that is the type of things we bring to Christians who are still poor during their studies. Bien aimé, j'ai aussi compris que le problème de certains étudiants chrétiens, c'est que leur foi est ébranlée parce qu'ils demandent de mal à Dieu. And I've also understood that their faith is being blocked because they ask wrongly to God. Ils demandent à Dieu la réussite pour un examen. Ask to God success in one examination. Je veux réussir les maths. I want to succeed in mathematics. Et je veux à tout prix réussir les physiques, sinon ça ne va pas donner. I will leave physics and chemistry at the side because it will not go. Ils demandent à chaque fois qu'il a un examen la réussite pour cet examen-là. At all time we ask for success in mathematics. Mais bien aimé, la Bible dit que vous demandez et ne recevez pas parce que vous demandez mal. Cette façon de demander, c'est une façon très infantile et ça énerve le Seigneur. Une façon sage de demander à Dieu, c'est de demander l'intelligence et la sagesse. Pourquoi? Parce que celui qui est sage peut réussir à tous les examens. Il ne va pas seulement courir pour demander de réussir la maths. Tandis qu'il échoue en géographie, il ne va pas seulement demander de réussir en physique, tandis qu'il a 2,75 en dissertation. Mais il va... Égal. Ja, ich meinte, es ist besser, Gott um Weisheit zu beten und nicht um einzelne Success oder um einzelne Sachen zu fragen, zu beten. Yeah. Dieu, la sagesse afin que vous, on peut passer en tout ce qu'on le demande. It's also important for us to ask to God wisdom so that we can succeed in all that which we ask. Genau, also nur kurz auf Deutsch, damit ihr auch kapiert, was ich meine. Ich meinte gerade, dass bestimmte Personen beten Gott nur um Erfolg für ein Examen, für eine Prüfung, für Mathe zum Beispiel oder für Physik oder für was auch immer. Und ich finde, dass diese Art und Weise, Gott zu beten, ist kindlich. Warum? Weil du hast die Möglichkeit, Gott um Weisheit zu beten. Und wenn Gott dir Weisheit gibt, dann wirst du in allen Prüfungen Erfolg haben.
Deswegen, um Gott um jede einzelne Sache zu fragen, es ist wirklich kindlich und nervig. Amen. Und ich habe noch ein... Wie bitte? Sorry. Amen. Et j'ai encore compris une chose, bien-aimé. Quand tu demandes à Dieu la sagesse, when you ask from God wisdom, c'est quoi la sagesse? What is wisdom? La Bible dit dans le livre des Proverbes, the Bible says in the books of Proverbs, que la crainte de l'Éternel, that the fear of the Lord, c'est le commencement de la sagesse. Is the beginning of wisdom. La crainte de l'Éternel, the fear of the Lord, c'est le commencement de la sagesse. Is the beginning of wisdom. Donc, bien-aimé, so, my beloved, ne cours plus. Don't pour prier, donne-moi la sagesse, donne-moi la sagesse. Mais commence maintenant à respecter les ordonnances de Dieu. Dieu t'a donné la Bible. Et il t'a dit, lis-la. C'est alors que tu vas réussir. S'il t'a demandé de lire, c'est parce qu'il savait que ton succès se trouvait dedans. Il savait que si tu obéis à ce qui est écrit, tu vas réussir. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et j'ai les preuves. Bien-aimé, la Bible parle d'un certain appelé Daniel. Qui avait été exilé à Babylone. Au temps de Nebuchadnezzar. La Bible n'a jamais dit que Daniel avait fait de grandes études. Mais la Bible dit une chose par rapport à cet enfant, à cet homme. Il avait la crainte de l'Éternel. Et lorsqu'il est arrivé à Babylone, tous les ministres de Nebuchadnezzar, des professeurs, des docteurs qui avaient des diplômes en mathématiques, qui avaient des masters, quand on les mettait à la barre, il n'y avait pas match. Daniel était plus intelligent qu'eux. Il était plus intelligent que des ministres. He was more intelligent than ministers. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. My beloved, la sagesse the wisdom ne vient pas lorsque tu multiplies les études et les diplômes. Does not come when you multiply. C'est pourquoi arrête de dire que tu es intelligent parce que tu as un master. That is why stop saying you're intelligent because Amen. You have a master. Arrête de dire que tu es intelligent parce que tu as un doctorat. Stop saying that you're intelligent because tu es intelligent parce que tu as la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, c'est ça qui va te faire réussir dans la vie. Beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu ont une vision très limitée. C'est pourquoi ils n'avancent pas. Change ta vision et tu progresseras rapidement. Les gens ne regardent qu'à l'examen qu'ils doivent réussir. Sans savoir que même si tu as le diplôme, c'est Dieu qui donne le travail. Et je connais des gens qui ont des doctorats, mais ils sont en Guayaquil en train de donner les répétitions. Ils sont au Cameroun en train de donner les répétitions. Nakhilfe. Bien-aimés, ce ne sont pas les diplômes qui te donneront le travail. Ce ne sont pas les diplômes qui vont t'établir dans les hauteurs de la société. Mais c'est ta crainte de l'Éternel. Et j'ai une preuve vivante pour cela. C'était un homme qui s'appelait Joseph. And it's a man who was called Joseph. La Bible dit qu'il est né d'une famille pauvre. The Bible says he was born out of a poor family. La famille de Joseph, elle avait, bon, Jacob avait certes un peu. Jacob really had a little, certainly. Mais le jour où la disette a commencé à venir dans le pays, il ne parvenait plus à gérer sa famille. But the day fraud came into the country, he could no longer manage his family. Donc il avait besoin d'aller demander en Égypte. He had to go and ask from Egypt. Et la Bible dit, the Bible says, c'était juste une parenthèse. Parenthèse. La Bible dit qu'il avait un fils qui s'appelait Joseph, the Bible said he had a son who was called Joseph. Qui n'avait pas fait d'études. Il n'avait pas de diplôme de master ou bien de doctorat. He didn't have any certificate in master or doctorate. Mais la Bible dit que lorsqu'il a été envoyé en Égypte, but the Bible says he has been sent to Egypt, et qu'il a été amené devant le Pharaon, and he was brought forth to Pharaoh, il a réalisé quelque chose que les magiciens du Pharaon n'avaient pas réalisé. Even the magician of Pharaoh couldn't realize. Bien-aimé, aujourd'hui, les ministres parlent avec les magiciens pour chercher l'intelligence. Today, ministers go to magicians to search for wisdom. Aujourd'hui, les présidents vont chercher les grigues chez les magiciens. Today, presidents
traditional doctor to look for gris-gris. Donc ça veut dire que les magiciens sont plus élevés dans le monde spirituel et naturel que les présidents. This means that magicians are more elevated in the spiritual world than the president. Mais Joseph, qui n'avait pas fréquenté, but Joseph who didn't study, a réalisé ce que les magiciens n'ont pas pu réaliser. Donc il a fait ce que les présidents ne pouvaient pas faire. Il a fait ce que les féticheurs ne pouvaient pas faire. Aussi, il a été établi là où les ministres n'ont pas pu être établis. Bien aimé, tes études n'avancent pas et tu es bloqué. Ta foi est atteinte parce que ta vision est très limitée. Ton regard est focalisé vers le bac. Ton regard est focalisé vers le master. Ton regard est focalisé vers le doctorat. Focalise ton regard sur Jésus. Focalise ton regard sur Jésus. Commence à prendre des responsabilités dans sa maison. Investis-toi. Investis-toi dans sa maison. Investis pour son royaume. Et il se chargera de tes études. Et tu vas te rendre compte à un moment que même le master là, c'est rien. Parce que je travaille aujourd'hui dans une entreprise où mon chef a un bachelor, pourtant moi j'ai le master. Cela veut dire que ce n'est pas celui qui a beaucoup fréquenté qui est toujours au-dessus. Élargis tes horizons. Élargis ta vision. Celui qui réussit dans la vie, c'est celui qui a le Christ. Et arrête de dire que tu es intelligent parce que tu as les diplômes. Alléluia. Alléluia. Ça, c'était le lycée. Ça, c'était le lycée. That, this was college. J'ai fini. Je sais que je vois les yeux déjà qui me regardent. Et lorsque nous traversons le désert, lorsque nous traversons le lycée, nous arrivons à l'université. We come to university. Et l'université, c'est Canaan. And the university is Canaan. Bien aimé, my beloved, personne n'arrive à Canaan. No one comes to Canaan. S'il ne passe le test du désert. If it doesn't go through the test of le désert, c'est un moment d'élimination. This is a type of elimination. Et ne passe à Canaan, and he only comes to Canaan que ceux qui ont reçu le test du désert. Those who have succeeded in the test of the desert. Et quel était le succès du test du désert? And what was the success? S'attacher à la parole de Dieu. To be hold tight to the word of God. S'attacher aux promesses de Dieu. To be hold tight to the promises of God. David dit, je serre tes promesses dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Bien aimé, si tu t'attaches à la parole de Dieu, tu vas réussir le désert. Et tu vas entrer à Canaan. Ne cherche pas toujours à courir pour réussir. Mais retiens la leçon. Parce qu'aussi longtemps que le peuple israélien n'avait pas retenu la leçon, Dieu les a fait tourner en rond dans le désert. Et c'est cette partie qu'on appelle le redoublement. And that is what is being known as repeat. Alléluia. Alléluia. Ils ont redoublé. They repeated. Récalcitrant. Redoublé encore. Repeat again. Jusqu'à ce qu'ils finissent par comprendre until la leçon. They came to understand the lesson of God. Et je parle dans ta vie aujourd'hui. And I speak your life et today. Je déclare au nom de Jésus-Christ qu'en sortant de cette salle aujourd'hui, tu vas retenir la leçon que Dieu a prévue pour toi. Et tu vas avoir du succès dans toutes tes entreprises. L'école va même devenir pour toi un petit niveau. Tu vas passer à la dimension supérieure. Tu vas regarder comme Daniel. Tu vas regarder comme Joseph. Et Dieu va t'établir à des postes élevés que ceux qui ont les diplômes que tu n'as pas ont. Que le Seigneur vous bénisse. Voici la conclusion de mon message. Aie une vie de méditation forte et constante. Oui, écrivez. Aie une vie de méditation forte et constante. Car c'est la porte d'entrée de la réussite. Prends la direction que Dieu te demande. C'est-à-dire choisis la filière que Dieu t'a révélée de faire. Ne cherche pas les raccourcis pour gagner l'argent rapidement. Car c'est le chemin que Dieu t'a demandé de suivre qui est le chemin facile pour toi. Et c'est sur ce chemin que Dieu fera venir la colonne de nuit et la colonne de feu. Ne sois pas pressé de finir l'école.
Mais sois patient de peur de finir par te compromettre. Beaucoup de bushing ne rend pas sage ou intelligent. Mais c'est la crainte de l'Éternel. Demande à Dieu l'intelligence et la sagesse. Et non la réussite pour chaque examen seulement. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever pour prier. Afin que le Seigneur puisse donner à cette parole de trouver terrain fertile dans nos cœurs. Yeah, jetzt werde ich in Deutsch auf umstellen. Now I'm going to pray in Dutch. Ich werde auf Deutsch sprechen. Genau, also ich meinte, jetzt werden wir eine Zeit des Gebets nehmen, damit dieses Wort in uns bleibt. Und ja, du kannst es sehen, damit das Wort in uns bleibt, weil ich bin von davon überzeugt, Gott wollte etwas in unserem Herzen tun. Und nicht nur die Leute, die studieren, sind Studenten. Wir sind alle Studenten, weil Studium passiert auch in der Arbeitsplatz. Und deswegen sind wir alle betroffen, ich selbst. Deswegen lasst uns diese Zeit nützen ins Gebet, um Gott zu beten, damit er uns hilft, wirklich nach ihm zu schauen. Wenn für mich das Botschaft meiner Nachricht oder die Lösung für die Probleme in unserem Studium, in unserem Leben, ist das Wort Gottes, ist Jesus. Und wenn wir nach ihm schauen, wenn wir auf ihm warten, dann werden wir immer Erfolg überall haben. Wir haben das Wort in Joshua 1, Kapitel 1, Vers 8 gelesen und er hat gesagt, lese mein Wort tagsüber, Tag und Nacht. Und so, nur so, er hat gesagt, nur so wirst du Erfolg haben. Erfolg liegt in der Bibel, Erfolg liegt in das Wort Gottes. Und jetzt möchte ich dir einladen, erhebe deine Stimme und bete Gott, damit er dir die Offenbarung sein Wort gibt. Damit er dir ein Herz gibt, der nach Lesung seines Wortes brennt. Damit er dir hilft, in sein Wort tief hineinzugehen. Damit du Erfolg hast in dein Studium. Betet. Oh, lieber Vater, ich danke dir für dein Wort, Herr. Ich danke dir dafür, dass du uns heute nochmal beigebracht hast, wie wir Erfolg finden können, Herr. Und wir sind, oh Herr, sehr dankbar zu wissen, dass das Geheim unser Erfolg in dein Wort liegt. Danke dafür, Herr. Ich bete, Herr, damit du uns vergibst, wenn wir uns beschwert haben, als wir durchgefallen sind. Es ist unsere Schuld, wenn wir durchfallen, wenn manchmal wir verlassen dich, um uns auf etwas anderes zu konzentrieren, zu fokussieren. Aber wir wollen unseren Blick auf dich richten, Herr. Wir wollen uns, oh Herr, auf dich konzentrieren, auf dein Wort, oh Herr, um Erfolg zu haben. Dein Wort sagt, dass derjenige, der die Richtung nimmt, die du ihm gezeigt hast, wird von der Feuersäule geleuchtet werden im Nacht und von der Wolkensäule am Tag geleuchtet geführt werden. O Herr, lass uns durch diese Wolken, durch diese Säule geführt werden in unserem Leben, in unserem Arbeitsleben, in unserem Studiumleben, o Herr. Ich bitte für jeden Studenten, Herr, hier, damit du jeder Herr segnest mit einer besonderen Intelligenz, mit einem Furcht deines Namens, Herr. Denn Intelligenz kommt nicht von viel Lernen. Intelligenz kommt nicht, nachdem man viel Diplomen gesammelt hat. Aber Intelligenz kommt, wenn man dich fürchtet. Das hat uns dein Wort gesagt. Josef hatte nicht viel studiert, aber er war der Gouverneur in Ägypten. Daniel hatte nicht viel studiert, aber er war der Premierminister in Babylon. Und wir wollen auch heute, Herr, höhere Stelle haben in der Gesellschaft und eine Zeuge, Herr, deine Güte zu sein, um eine Zeuge, Herr, deine Macht zu sein, um ein Zeuge zu sein davon, dass Erfolg nicht von viel Studium kommt, Herr. Dafür bitten wir dich, Herr. Schenkst du uns Weisheit, schenkst du uns Intelligenz und sei du bei uns in Jesus Namen. Amen. Jetzt werde ich den Pastor einladen, nach vorne zu kommen und dann zum Wort. Le message était très bien. Le message was so good. La réussite dans la vie, c'est toujours dans la direction. Lorsque tu prends une mauvaise direction, when you take a wrong path, tu ne vas pas arriver à la destination. You will not come to the destination.
Et c'est le Seigneur qui connaît la direction de chacun de nous. Mais il a mis sa parole. Et il dit que c'est que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite les jours et nuits. Afin que tu réussisses à tout ce que tu entreprendras, à l'exception de rien. Donc la réussite est dans tous les domaines. Amen. Vraiment, c'est vraiment bénissant, c'est profond. Donc le séminaire va continuer. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Qu'il puisse l'inspirer encore plus davantage. Amen. On acclame pour le Seigneur. Annonce. Nous avons normalement réunion après ce culte, mais il y a beaucoup de personnes aussi qui ne sont pas là. Normally, we have to have a meeting after this service, but so many people are not present today. Bon, on a tout renvoyé ça. On peut toujours faire la réunion après le culte. We are still going to do it. C'est que je voulais dire qu'il y a la sœur Dorine qui a son enfant à l'hôpital, avec son enfant à l'hôpital. Il faut prier pour les enfants. Ces temps-ci, il y a trop de maladies qui menacent les enfants. This time around, so many sicknesses are plaguing around children. Que le Seigneur les protège. That the Lord protect them. Voilà. Nous allons recommencer l'évangélisation à partir de ce mois de mars. We are going to start back with evangelization coming up March. Donc nous allons recommencer vraiment l'évangélisation. We are really going to start with evangelization. La répétition est là toujours. C'est quel jour qu'il y a la répétition? Jeudi. Donc jeudi à partir de 18h. Ouais. Donc la sœur Laetitia. J'ai dit la répétition à partir de 18h sur le frère Cédric. C'est ça, c'est ça, la sœur. Ouais. Nous avons toujours notre étude biblique. We keep on having our Bible studies. Le mercredi. On Wednesdays. Cette semaine, nous serons chez Arma. On this week, we shall be in Brothers. À partir de 18h juste jusqu'à 19h15 pour l'étude biblique. For Bible studies. Nous avons commencé le thème des doctrines. Donc, nous allons continuer tout ça. Par la grâce de Dieu. Le mois prochain, en mars, après cet enseignement, nous allons avoir un autre enseignement toujours avec Cédric Lemalé. Que moi, je vais commencer et puis il va continuer. Sur la délivrance. And he's going to continue with deliverance. Amen. Et le même mois prochain, je voyage en mission au Congo. And the same next month, I'm going to travel to Congo. Avec Vuknie. With my son Vuknie. Donc par la grâce de Dieu. By the grace of God. Normalement avec une autre personne, mais nous n'avons pas encore de précision. Normally with someone else, but we are not yet fixed. Amen. Amen. Bon, nous allons nous tenir debout. Qui va composer encore cette semaine? Qui compose? Tu composes la semaine prochaine? Ok. La sœur Sabine. Bon, ma femme aussi compose demain. Nous allons tenir debout, nous tenir debout. Nous allons prier pour le compo. Même pour ma femme qui compose demain. Que la main de Dieu puisse être avec elle. Éternel, nous te supplions pour le compo. Comme notre serviteur Cédric a dit, de désert au Canaan. Nous prions, Seigneur, enfin que toi, tu puisses être avec tous ceux qui vont composer. Comme la colonne de nuée, ainsi que la colonne de feu. Qui était leur direction pour savoir quel chemin, direction qu'ils devaient prendre. Que ce soit aussi la même chose pour les gens qui vont composer. Colonne de feu et colonne de nuée puissent être là pour empêcher la confusion, les erreurs,
Et nous prions pour leur éclairer dans la réussite. Au nom puissant de Jésus. Nous prions pour tous les enfants qui sont à l'église. De leur donner la santé. Au nom puissant de Jésus. Nous empêchons la mort, les accidents, les épidémies dans la vie de tout enfant dans cette œuvre. Au nom puissant de Jésus. Levons nos mains, je veux prier. Éternel Dieu de gloire, nous te sommes reconnaissants pour ce dimanche que tu nous as enseigné, tu nous as parlé, que la réussite est dans ta parole. Tu n'es pas un Dieu qui vient en retard, tu n'es pas un Dieu qui vient dans la précipitation, mais tu es Dieu qui agit dans ton temps. Nous prions enfin que tu nous donnes la patience, la confiance d'attendre tes promesses. Que nous ne soyons pas des personnes qui vont précipiter et arriver jusqu'à la compromission. Que nous ne soyons pas des personnes qui vont être renversées par le vent de cette terre. Mais nous prions, Seigneur, que tu nous donnes la confiance, le discernement de temps et la compréhension de tes promesses, ainsi qu'être au bon endroit, au bon moment. Saint-Esprit, sois notre direction. Oriente-nous, dirige-nous, parce qu'avec toi, nous allons réussir. La Bible dit, avec toi, nous ferons des exploits. Et tu écraseras nos ennemis. Ce n'est nos difficultés, nos souffrances, nos échecs, c'est le test du désert. Mais ce que nous connaissons, nous allons arriver jusqu'au bout avec toi. Enseigne-nous davantage. Je prie pour la réussite dans la vie de chacun, les couples de chacun de nous, et tout ce que nous avons comme projet, nous prions pour la réussite. Illumine nos yeux. Donne-nous l'intelligence et surtout la crainte qui est la source de la sagesse. Nous te supplions, Éternel. Et donne-nous aussi la motivation de méditer ta parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, nous prions pour la santé, nous prions pour la paix, nous prions pour la joie dans nos vies ainsi que dans nos familles. Je prie pour la semaine qui va commencer demain, que tu prends le contrôle de chacun de nous dans tout ce que nous faisons, dans nos familles, dans notre travail. Merci Seigneur pour ta présence. Au nom de Jésus que j'en suis prié, c'est lui qui règne pour le siècle des siècles. Amen. Azo, pour aujourd'hui, c'est fini. On peut se saluer.